Septembre 1835, île James, archipel des Galapagos. Je n'aurais jamais pu m'imaginer que des îles situées à environ 50 ou 60 miles de distance, presque toutes en vue les unes des autres, formées exactement des mêmes rochers, situées sous un climat absolument semblable, s'élevant presque toutes à la même hauteur, aient eu des animaux différents. Darwin compare des spécimens d'oiseaux moqueurs et de pinsons. Il est frappé par la variation étonnante des plantes et des animaux d'une île à l'autre. Il recense 71 espèces végétales, 38 sont spécifiques de l'archipel et 30 de la seule île James. De même que pendant leur croissance, les bourgeons en produisent de nouveaux, qui à leur tour, lorsqu'ils sont vigoureux, poussent en tous sens des rameaux qui dépassent et étouffent les rameaux les plus faibles, je crois que la génération en a agi de même pour le grand arbre de la vie, dont les branches mortes et brisées sont enfouies dans les couches de l'écorce terrestre, pendant que ces magnifiques ramifications vivantes et sans cesse renouvelées en couvrent la surface. Les fossiles trouvés en Amérique du Sud ne sont pas très différents de ceux des îles. Les espèces vivantes, elles, sont bien différentes. Pourquoi ? En regardant des fossiles de temps de plus en plus reculés, il apparaît que chaque animal avait un ancêtre auquel il ressemblait un peu. Les tortues et les iguanes des Galapagos sont différents de ceux d'Amérique du Sud. Ils ont appris pendant des milliers d'années à s'adapter à leur environnement. Pour ce faire, ils ont évolué. C'est l'explication qu'avance Darwin, ils se sont transformés. Mais l'essentiel est de décrire le mécanisme de l'évolution ou de la transformation. Et ce mécanisme, Darwin l'invente réellement sous le nom de sélection naturelle ou de persistance du plus apte. Et il dit dans L'origine des espèces, j'appelle sélection naturelle ou persistance du plus apte la disparition des variations qui ne sont pas favorables et le maintien des variations qui le sont. Et cette idée de sélection naturelle est tellement simple et tellement lumineuse qu'elle peut être donnée sous la forme d'une tautologie. Les plus aptes persistent parce que ceux qui persistent sont les plus aptes. Eh bien, le milieu se charge de faire le tri. Et c'est ça la sélection naturelle. C'est-à-dire que disparaissent les variations qui ne sont pas adaptées. Donc, la sélection naturelle est un mécanisme a posteriori. C'est après le changement de la forme qu'a lieu la sélection naturelle. Des voyages comme celui des Galapagos, beaucoup de naturalistes en ont fait. Ils ont des observations qui ressemblent beaucoup aux observations de Darwin. Ce qui distingue Darwin de tous les autres n'est pas qu'il ait fait un voyage, parce que tous ou presque en ont fait. Ce n'est pas qu'il ait observé de près tel ou tel cas. C'est que, à partir des faits des pinsons des Galapagos ou tel organisme vivant et variation, il ait tout d'un coup eu l'idée d'un système explicatif rationnel qui est celui de mutation-sélection, c'est-à-dire transformation et sélection naturelle. Cela fait de Darwin, Darwin. Mais toute la question maintenant est de savoir comment la transformation se fait. Et sur ce point, il n'y a que deux réponses. L'une qui est lamarckienne, c'est-à-dire c'est le milieu qui se charge de la transformation. Et à cet égard, Darwin est aussi lamarckien que Lamarck. Mais il y a une seconde possibilité qui,
paraît avoir été confirmé par la science contemporaine, c'est le hasard. C'est-à-dire, les variations, les transformations se font par hasard. Et ce n'est que par la suite, lorsque on a une idée extrêmement précise de ce qu'est le matériel génétique, qu'on voit ce que c'est qu'une mutation. Le terme mutation n'est bien entendu pas utilisé par Darwin. Ce n'est que par la suite que le terme mutation sera compris et dominé par la science qui suivra. Au large des îles Cocos,